Eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Akula Dream of Flying. Voilà un petit rafraîchissement de cette chaîne commencée il y a un an. Alors, il y a un an, pas tout à fait. Ma première vidéo sur cette chaîne, commentée, la toute première vidéo, a eu lieu début avril. Mais c'est dès la fin mars que j'ai commencé à réfléchir et à travailler sur le sujet. Tout simplement parce que je voyais un avion, la 400M, de Roland Laboré qui venait de sortir. Et autant les anglo-saxons couvrent pas mal de domaines, on trouve beaucoup de vidéos, hein, d'ailleurs très bien réalisées, sur MSFS, comme d'ailleurs sur plein d'autres simulateurs, que ce soit X-Plane ou DCS. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on trouvait très très peu d'informations sur parfois des avions un peu atypiques, soit parce qu'ils sont vintage, soit parce qu'ils sont développés par un concepteur tiers qui n'est pas forcément une grande notoriété. Ce que je ne pense pas de Roland Laborie, attention, pas du tout, mais en tout cas, difficile de trouver, très difficile de trouver des informations. Donc, on planche de son côté, on prend la doc, on apprend par soi-même, et puis on va sur les forums, etc. Et on s'aperçoit que plein de gens se posent plein de questions. Et donc, je me suis dit, bon, on va faire une vidéo, parce qu'après tout, j'avais ouvert ma chaîne YouTube il y a plusieurs années, j'avais mis une vidéo non commentée d'ailleurs, sur le G91, une très vieille vidéo. Et je me suis dit, après tout, je vais faire un petit topo de cet A400M et je le mettrai comme ça dans les forums quand les gens auront des questions. Parce que moi, j'ai réussi à enfin, j'ai travaillé dessus pour le faire voler, etc. J'ai passé du temps et autant faire gagner du temps aux autres. Et puis, les choses se sont développées petit à petit. Je me suis pris un peu au jeu, hein. Après j'ai fait des tutos, une première présentation de la 400M, après trois vidéos tutos de mémoire et puis sur le démarrage, etc. Il y a eu un très très bon retour, pour moi quelques centaines de vues c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai dit donc ça sert vraiment, on va continuer. Et puis voilà, on en est là. Cette chaîne ensuite j'ai fait une sorte de logo, hein, de marque. Alors beaucoup se sont posé la question pourquoi Akula, qu'est-ce que ça veut dire nana? Pour ces un an, hein, Akula ça veut dire requin en russe. Aussi une classe de sous-marin russe. En l'occurrence, c'est pas trop bizarre qu'il ait appelé requin. Voilà. Et pourquoi Akula? C'était un pseudo que j'ai depuis 20 ou 30 ans en fait sur les jeux vidéo en ligne. Voilà, de type MMORPG ou autre. Donc je me suis dit, moi je connaissais que celui-là, et puis en fait je m'en foutais un peu, parce que j'avais fait une vidéo, deux, trois, quatre vidéos, cinq vidéos, comme ça. Aucun, voilà. Bon, je vais pas changer de pseudo aujourd'hui, ça me va très bien, c'est moi le pseudo que j'ai depuis longtemps, hein, sur les jeux vidéo. Mais voilà, c'est juste le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, pour ces un an, eh ben écoutez, quelque chose, je vais pas vous faire une vidéo d'avion, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment fait en fait. C'est vous expliquer un petit peu les commandes que j'ai moi personnellement, les paramètres de Microsoft Flight Simulator. Voilà, les paramètres graphiques, les paramètres sur les contrôleurs. Voilà, ça ne sera pas forcément pour vous totalement pertinent. Vous n'aurez probablement pas les mêmes contrôleurs, mais il y a des choses communes. On va parler aussi hélicoptère, avion, les contrôles, les commandes de vol sont différentes. Attention à ne pas se faire avoir. J'ai souvent des questions qui remontent là-dessus. Donc je me suis dit, bon, allez, pour les un an, un petit check-up complet des paramètres graphiques, des contrôles de vol, des commandes de vol des appareils et des hélicos dans mes options. Voilà, ce sera, je pense, parfait pour ces un an. Eh bien écoutez, on se retrouve juste après le jingle, mise à jour. Et on se retrouve juste après le jingle pour ce petit tuto commande de vol et paramètres graphiques. Voilà, et quand on est dans le menu, hein, d'options, soit par le menu général, soit directement en faisant échappe quand vous êtes en vol, vous accédez, vous êtes en mode pause, hein, le simulateur est en pause, et vous accédez, bon, aux parties, ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui, hein, les défis d'atterrissage, les bush trips, ça vous connaissez déjà, les options générales, les options de commande, options d'assistance. On va voir un peu les options d'assistance tout de même,
On va voir bien sûr les options générales, les options de commande. On va commencer par les options d'assistance. Je vais vous montrer ce que j'ai moi avec le système de bord. Je suis en difficile, c'est-à-dire que par défaut, il n'y a pas de mélange automatique. Le carburant n'est pas illimité, les feux de navigation ne sont pas automatiques et il y a une dérive gyroscopique. Donc voilà, difficile, peu d'impact, hein, c'est vraiment pour dire on vole en conditions normales, quoi. Il n'y a pas de carburant illimité, etc. Les défaillances, c'est dommage. Alors là, moi, j'utilise personnalisé puisque j'ai décoché par défaut les dommages liés aux accidents et aux contraintes. Pourquoi? C'est plus réaliste de dire oui, bah, c'est bien de mettre les dommages liés aux accidents et aux contraintes. En l'occurrence, aux accidents, non, j'ai désactivé parce que avec il y a différentes scènes, y compris celle d'Azobo, hein, des paywars ou des freewars qui ont des murs invisibles, même au niveau des ponts, hein, pour lesquels on aime bien passer hein, en multijoueur, les ponts. Et ça amène beaucoup trop de risques. Je vous compte pas le nombre de fois de me retrouver sur une piste avec un écran noir en disant vous avez percuté le sol alors qu'il n'y avait rien, j'étais en train de rouler. Voilà, donc moi je l'ai désactivé. Il y a vraiment peu d'intérêt. De toute façon, les accidents dans MSFS, une fois que vous avez touché le sol, vous le savez. Voilà, donc ouais, peu d'intérêt. Qui plus est, avec certains avions un peu atypiques ou même les hélicos, voilà, je le désactive. Les liés aux contraintes, bah là aussi, on pourrait dire, bah oui, mais si tu fais de la survitesse, t'es pas pénalisé, c'est vrai, mais après, il faut connaître ces avions, faut pas faire n'importe quoi. Mais liés aux contraintes, pourquoi je l'ai désactivé? Puisqu'on se retrouve avec, c'est assez rare, heureusement, mais parfois, des changements de météo brusques, ou de transition de météo brusque, qui nous fait, on a 80 nœuds ou 100 nœuds de face en liner, à trop haute altitude. Et la météo est risettée, elle repasse à 0 nœud, et là vous prenez 80 nœuds de plus en IAS. Et autant vous dire que vous êtes dans la zone rouge de votre liner et que vous êtes écran noir. Voilà, vous avez dépassé les contraintes de l'avion. Ben non. C'est la météo qui a changé et voilà. Donc j'ai désactivé. Par contre, lié aux contraintes du moteur, oui, puisque là, il y a pas mal d'addons qui maintenant génèrent les pannes moteur. Et l'effet de givre, bien sûr. Au niveau de l'aide à la navigation. J'ai désactivé les rubans au sol, mais sachez qu'ici, vous pouvez vous aider au niveau du taxiway d'avoir un ruban, hein, bien sûr, ou des chemins d'atterrissage. Voilà, ça vous aide. Quand vous débutez, je vous le conseille, si vous débutez de façon à ne pas être perdu, et si vous faites même des gros aéroports, des fois, le petit ruban, c'est bien pratique. Notification sur le pilotage et les commandes, système de bord, conseil de vol, objectif, conseil sur le logiciel. Là, c'est si vous êtes débutant. Et que vous avez besoin qu'on vous tienne au courant, une sorte de copilote qui va vous dire au niveau système de bord, attention, vitesse élevée ou voilà, vitesse trop élevée, etc. Vous allez avoir des notifications qui vont s'afficher. Tout simplement. Le pilotage. Alors, le pilotage, c'est un peu plus intéressant. Je l'ai mis en personnalisé, vous allez voir pourquoi. En fait, par défaut, tout est en mode désactivé. Il n'y a pas de manche assistée, il n'y a pas de décollage assisté. Il n'y a pas de compensation assistée, il y a même pour les hélicoptères, il n'y a pas de rotor de queue cyclique assisté. Si vous avez du mal en hélico, n'hésitez pas à utiliser ces deux options, rotor de queue assisté, cyclique assisté. Quand on débute, il n'y a pas de honte à avoir des aides. Oui, bah tu pilotes bien l'hélico, mais tu es assisté. Ouais, mais en attendant, je me fais la main. Donc faire des tours de piste en hélico, déposer, décoller en assisté, il n'y a aucune honte, on est tous passés par là. Le turbulence, bien sûr, réaliste, et l'ornithoptère, on s'en fiche un peu, c'est vraiment propre à l'ornithoptère, mais c'est une prévention des collisions avec le sol et une mise à jour automatique quand on met le freinage au niveau de l'alimentation, donc on s'en fiche un peu. Mais j'ai activé la checklist assistée. La checklist assistée, c'est quoi? Hop, on va revenir en arrière. C'est je suis dans un avion et je ne connais pas cet avion. La plupart, là je suis dans la 320 Neo de base Azobo, on s'en fiche un peu. Ici, j'ai la checklist en haut dans le menu et la checklist assistée. Elle me permet d'avoir différents onglets en fonction des différentes étapes. Bon, là on est vraiment sur le truc Azobo de base, mais il y a quand même avant le démarrage moteur. Il me dit interrupteur de la batterie activé. En ayant une interactivité donc de checklist assistée, j'ai un copilote qui va me parler et qui va me dire quoi faire et me le montrer. Voilà. Sans quoi, il ne va pas me le montrer. Donc, évaluation, on clique ici. Interrupt here is still a battery. C'est en anglais, ok, mais il me dit interrupteur de batterie activé. Et ben, hop. Il enregistre les commandes et il passe à la suivante quand c'est bon. Alimentation externe si disponible. Et on peut lui demander de compléter l'élément. C'est lui qui va le faire. Et il vient d'activer external power tout seul.
Si c'est de la visu et que tout est bon, il passe, ça nous permet de checker. Et s'il y a une action à faire de notre part, on voit, il y a le petit rond qui tourne, c'est à nous. Donc là, il faut faire le master switch ici de la PU. Démarrage de la PU. Et il attend. Voilà, on peut lui demander de le faire en compléter l'élément au démarrage. L'élément automatiquement. Voilà, on peut faire une pause. On peut resetter la page, etc. etc. Voilà, démarrage de l'APU. Voilà, vous avez compris. Hop, on revient en arrière dans les options générales. Hop, autant pour moi, dans la partie options d'assistance. Les fameux expériences toc-toc-toc, aide à la navigation, notification, pilotage, avec cette checklist assistée ici. Les points d'intérêt, bon alors là c'est si vous voulez des marqueurs d'aéroport, en gros si vous voulez voir les villes avec le petit point hein, qui vous indique quelle ville vous survolez, quel aéroport vous survolez. Moi j'ai activé la faune, c'est toujours intéressant de voir s'il y a des animaux, il y en a déjà assez peu dans MSFS. Et puis c'est à peu près tout. L'expérience utilisateur. Visualisation aérodynamique. Alors pour ceux qui ont les espèces de trucs verts tout autour d'eux là, hop, activé. On va le voir. Bon là les moteurs sont pas démarrés, mais si on démarre les moteurs, en fait, on aura des espèces de trucs visuels un petit peu partout, de flux d'air. Voilà, donc hop. Expérience utilisateur. 1. Affiche une représentation artificielle, hein, je lis à droite, hein, de la dynamique des fluides numériques qui s'écoulent autour de l'avion pendant un vol. Voilà, donc ça a désactivé, sauf si vous voulez voir comment les choses fonctionnent. Si vous êtes par exemple développeur, ça peut être intéressant. Forcer l'ATC, bon ça je passe, c'est vraiment la voie ATC, activer ou désactiver. Si vous voulez avoir des panneaux de cartes VFR, de checklist, de journal de navigation qui sont ouverts au démarrage du vol, voilà, par défaut, désactivé pour moi. Les effets DG, voilà, la combinaison anti-G. Par défaut, j'ai mis pilote d'avion en réaction. Comme ça, quand je change d'avion, j'ai pas besoin de rechanger ce mode-là. Si vous êtes sur un chasseur et que vous êtes en mode désactivé au niveau de DG, combinaison anti-G, ça risque d'être compliqué. Vous allez avoir un voile noir assez vite. Et mettre fin au vol lorsque l'avion s'arrête. Alors ça, moi, je l'ai désactivé parce que c'est pas lui qui décide quand mettre fin au vol. C'est moi, en faisant échappe, quitter. Voilà, on est bon là-dessus. Et on va aller sur la partie option générale. L'option générale, et on va commencer par le plus important, les graphismes. Bon, parmi les plus importants. Moi je suis resté sur DirectX. DirectX 12 est toujours en bêta, c'est toujours compliqué. Et j'ai remarqué, j'ai eu deux ordinateurs différents dans ces trois années. Un vieux modèle et un modèle maintenant plus récent. Et j'ai remarqué que dans les deux cas, que ce soit un modèle plus récent ou mon vieux modèle, c'était la qualité globale de rendu, haute, intermédiaire ou faible, qui était le plus efficace dans l'utilisation, dans les FPS, dans la fluidité. Beaucoup me disent, mais c'est super fluide, en fait, moi, c'est pas fluide comme ça. En fait, je ne touche pas. J'ai touché, hein, j'ai fait énormément de... Et j'ai toujours eu des choses moins bonnes. En touchant, les arbres, on s'en fiche, je vais les mettre en plus bas. Non. En fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est bien équilibré au niveau des valeurs, de l'ombrage terrain. Voilà. Donc, si vous avez un bon PC, pas de problème. Hein, voilà, ultra, c'est ce que j'ai. Et si vraiment vous voulez gagner du FPS, il y a une chose qu'il faut bouger, c'est le niveau, c'est le load, niveau du détail du terrain. Et là, vous allez voir que si vous baissez ici, vous allez gagner des FPS. Et si vous augmentez ici, c'est la vue, hein, c'est la distance de vue. Hein. Distance de vue, plus c'est augmenté, plus vous verrez loin en détail. Mais ici, vous serez très bien, par exemple, en liner à 100 ou 150, vous serez très bien en liner. Pas besoin de voir super loin. Voilà, maintenant, si vous avez une grosse machine, il n'y a pas de problème. Donc, vous restez en ultra et vous... Voilà, et si on met un 200, ça repasse en ultra. Et vous bougez cette valeur-là. C'est pour moi la plus importante. Il y en a une autre, c'est d'éviter, on va revenir dessus après, mais c'est d'éviter de mettre 100% de voitures, de bateaux, d'avions en l'air.
là ça va vous bouffer des FPS. Mais pour le reste, on va pas chipoter à se dire ah, est-ce que 2, 4, 8, 16, non, là-bas, tout est à fond pour l'ultra. Voilà, on fait confiance en fait à l'éditeur. Mais moi j'ai remarqué que j'avais toujours de la fluidité quand je passais. Alors si je veux vraiment gagner beaucoup de FPS, bah, je passe en high, en haute. Voilà, là il me passe à 100, il me passe pas mal de choses. Voilà, des nuages à 100. Mais tout est équilibré, haute, 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 vous voyez. Voilà, tout est bien équilibré et on gagne vraiment des FPS tout en gardant une fluidité. Voilà, moi c'est un conseil de ma part. Attention, comme je le dis, chaque PC est différent, voilà. Vous pouvez toujours faire l'essai. La caméra, bon, rien là-dessus quoi. Ça c'est vraiment des modes caméra à vous. Moi, j'ai quelques touches, on verra après dans les commandes. Mais ici, vous pouvez bien sûr modifier les vues par défaut, la hauteur hein, de votre, en fait, la hauteur de la position de la tête du pilote dans le cockpit. Par défaut, c'est 50, mais vous pouvez, si vous êtes grand, dire, mais moi, je fais 60, donc je suis plus haut que, voilà. Vous pouvez changer la hauteur, la position horizontale, le zoom par défaut. Vous pouvez changer plein de choses par défaut si la position par défaut ne vous convient pas. Malheureusement, attention, ça affecte tous les avions. Donc vous pourrez très bien dans un avion et beaucoup moins bien dans un autre. Le son, rien de plus à dire. Simulation de casque pour être vraiment au calme. Vous l'activez si vous voulez vraiment ne plus entendre grand-chose. C'est pour moi un peu trop. on n'entend vraiment plus grand-chose. Ça dépend des avions en fait. Mais après, pour l'oreille, j'ai mis le son spatial, dégradation signal, tout est activé. Sauf bien sûr l'audio en mono. En vocal, j'aime bien être en hors ligne. Azure, je vais encore prendre de la bande passante. Et je vais encore, si je suis en photogrammétrie, plus le Azure, etc. Alors c'est plus sympa, hein. Il y a plusieurs voix sur leur serveur vocal. Tandis que là, j'ai toujours une voix hors ligne. Toujours à peu près les mêmes. Il y en a quelques-unes qui sont sur le disque dur en fait. Que MSFS va prendre en local. En l'occurrence, mais ça ne bouffe pas de bande passante. Donc voilà. Même si c'est pas beaucoup, ça c'est quand même des waves qui passent. Ça bouffe les quelques un peu de bande passante. Le volume, bah, à votre main. Moi, je réduis beaucoup l'environnement parce que j'ai horreur du bruit du vent, du sifflement, etc. Et c'est d'environnement. Malheureusement, je fais abstraction du coup des bruits de la pluie sur le pare-brise, mais alors c'est vraiment très rare. Et j'entends moins certains éléments extérieurs. Et tout dépend comment les développeurs développent leur avion, mais l'environnement des fois peut affecter des bruits intérieurs. Mais la plupart du temps, c'est surtout. Mais ça me coupe le vent. J'ai plus ce sifflement en liner qui est super pénible. Voilà. Bon, c'est personnel. Pas de musique. Voilà. Pour le reste, on est à 100%. Allez, on passe au trafic. Bah, j'utilise un trafic externe. Donc par défaut, j'ai tout désactivé. Puisque je passe avec FSTL. Voilà. Mais si vous voulez du trafic, bah, vous activez ici le trafic IA. Et ici, on parlait des FPS tout à l'heure avec le graphisme. Attention, hein, moi j'ai mis 20-20-20 pour les navires, véhicules, bateaux de plaisance, pas plus. Hein. Ça bouffe, ça bouffe. Si vous mettez 100-100-100, vous inquiétez pas d'avoir des stutters. Hein. Ça c'est sûr. Et puis, important pour la partie multijoueur, alors on a fait un tour réglé. La variété du trafic en ultra, on en a parlé au multijoueur. Le dernier multijoueur qu'on avait fait en petit coucou. Pour essayer de voir, hein, des fois, quand on est en multijoueur, on a beau avoir l'avion, on ne voit pas l'autre avec l'avion qu'il a pris, parce qu'on l'a dans sa bibliothèque, mais on n'arrive pas à le voir. Très bizarre. Et il faudrait à ce moment-là passer en ultra la variété du trafic. Ok, on va voir ça. Sinon, pour le reste, on désactive et on active. Donc, afficher les avions multijoueurs à proximité, bien sûr, activer. Voilà les données. Alors les données, moi j'ai tout activé. Si vous voulez pas utiliser des fonctionnalités en ligne, vous désactivez. Si vous voulez ne pas avoir la photogrammétrie, pardon, le Bing, les images satellites, bah, vous désactivez. Si vous voulez les images satellites mais pas la photogrammétrie, vous désactivez la photogrammétrie. Des fois c'est plus joli, une bonne génération graphique de bâtiments par l'IA. Que de la photogrammétrie moche. À vous de voir. Si vous êtes dans un endroit où c'est vraiment vraiment très moche, vaut mieux avoir des beaux bâtiments en image de synthèse que des bâtiments en photogrammétrie qui sont mal finis. Trafic aérien mondial en temps réel, je l'ai activé. Météo en temps réel activé. Multijoueur activé, etc., etc.
Et puis pour la conso, la bande passante illimitée, ouais. Et au niveau du cache, je n'ai pas fait de cache. Moi, ça m'a apporté beaucoup de soucis, ces caches. Pas de cache. C'est-à-dire que le cache, normalement, il crée un cache et il stocke là où vous voulez, il stocke pour éviter de repiocher en ligne les données. En l'occurrence, si vous voulez jamais mon endroit, ça sert à rien. Ou alors vous avez mis un cache titanesque. Mais c'est surtout qu'il vient reprocher, il va repiocher des images téléchargées, certes, mais moi ça m'a apporté des petits soucis. Donc pas de cache. Et puis de toute façon, ça prend de la place sur le disque pour rien. Enfin pour rien. Beaucoup de place sur le disque. Bon là, vous lui donnez en combien de gigas vous voulez réserver. Et pour être vraiment efficace, faudrait presque lui donner une centaine de gigas en fait. Les maps satellites sont assez énormes. Le modèle de vol, moderne, 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 moderne. Pas historique. Pas historique, moderne. On a historique ou moderne? Moderne. Sauf si le concepteur de l'avion vous dit mettez historique parce que voilà. Sinon moderne. Vous faites pas avoir là-dessus. Hein. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes en historique, vous loupez pas mal de choses. Divers avatars du pilote, bah c'est là, hein, vous sélectionnez les différents avatars. Hein. Vous avez plusieurs choix. Voilà, différents pilotes de ligne, etc., etc., etc. Copilote, pareil. Bon, pas grand-chose ici. Langue de mesure. Moi, je vais repasser en US-US. Et c'est là que vous indiquez si vous voulez un système hybride en numérique, en américain, etc. Et là, je l'avais mis en français pour vous montrer les menus en français. Je préfère le mode anglais. Détail du texte, interaction avec le cockpit, système d'interaction du cockpit, verrouillé ou historique. Alors, on a pas mal de choses ici. Vous laissez par défaut, si vous voulez la cinématique, vous pouvez la passer la cinématique pré-vol. Voilà, c'est vraiment des petites choses. Si vous avez une manette vibrante sur Xbox, bah c'est ici que vous activez la manette vibrante. L'accessibilité, c'est vraiment un peu là où on met toutes les choses, on ne sait pas trop où les mettre. Animation de menu, etc. Voilà, c'est vraiment général. Alors, animation de menu, c'est important. Je ne l'avais pas activé, moi. Et vous savez, dans la mission Ornithopter, quand vous avez un compte à rebours 4, 3, 2, 1, 0, les chiffres se superposaient et parce que l'animation de menu était désactivée. Donc mettez-le parce que si vous jouez dans des missions Top Gun ou autre, ou Ornithopter, vous aurez des petits bugs graphiques. Rien de grave, mais des petits bugs graphiques quand même. Voilà, info bulle du menu, c'est si vous voulez avoir des infos sur les instruments. Donc info bulle, non instrument, info bulle. Je vais l'activer, on va voir ça ensemble. Instantané, ok. Donc là, on va mettre historique. Alors, hop, je vais faire, voilà, verrouiller. Hop. Oui, la langue après redémarrage du jeu, il n'y a pas de problème. Hop, et hop. Donc là, on voit que maintenant, quand je passe ma souris sur les boutons, j'ai une petite infobulle me disant, ici, c'est la batterie. Ici, c'est le master switch gap. Ici, démarrage du gap. Ici, feu de navigation, empennage, etc., etc. Donc ça vous aide, ça vous guide sur les différents boutons et vous voyez ceux qui sont activés. Surtout par exemple, bah, ce bouton-là, est-ce qu'il est cliquable? Bah non, hors service, ok. Par contre celui-ci, oui. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Voilà, donc on revient sur la partie accessibilité. Et puis ici, voilà, hein, vous pouvez désactiver les infobulles. Ici, il y a un mode d'interaction cockpit. On est en mode verrouillé et en mode verrouillé, hop. On voit ici, on peut. Sur l'Airbus, on est un peu embêté parce que l'Airbus, il a trois positions pour ce switch et en fait, on ne peut qu'augmenter ou diminuer. Donc c'est par défaut. Et si on reprend la partie accessibilité et qu'on passe en mode historique, et ben notre curseur, il a une petite flèche haut, une petite flèche basse et une petite flèche pour tourner. Donc il a bien les plusieurs positions. Voilà, hop, et ça c'est super important. Vous ne pourrez jamais par exemple piloter un A320 en mode normal, il faudra en mode historique. Hein. Voilà, par contre, il est plus pratique par exemple d'être en mode normal pour les voyants. Je m'explique, il y a un voyant par exemple ici. On va bien trouver, voilà. Donc je clique et j'augmente en cliquant ou je fais la molette de souris.
Et si je repasse ici avec mes options générales sur l'accessibilité, que je repasse en mode verrouillé, je peux faire un cliquer déplacer. Je prends le switch, je clique et je l'amène tout de suite à droite. Je gagne un temps fou, surtout sur des switches qui sont très très longs. Vous voyez, je clique, je mène à gauche et ça va beaucoup plus vite que le mode. Mais là, par contre, je suis embêté, j'ai plus les trois positions. Donc super important, hein, ce mode en accessibilité, ce mode système d'interaction du cockpit, verrouillé ou historique. Sachant qu'en historique, vous n'aurez pas la description, instrument, infobulle. Voilà, on a ensuite couleur principale du menu. C'est vraiment, on va accélérer, on va passer à autre chose. Et les sous-titres, si vous voulez des sous-titres, quand l'ATC vous parle, voilà, vous aurez des sous-titres. Ça peut vous aider. Le mode développeur, bah vous êtes développeur, vous voulez activer ou pas le mode développeur. Attention, si vous êtes en mode développeur, les vols ne sont pas enregistrés dans les MSFS, tous les vols que vous faites. Voilà, donc mode VR, je ne viens pas là-dessus, il y aura tellement de choses à dire. Mais on trouve suffisamment de vidéos qui parlent de ce qu'il faut activer, désactiver en mode VR. C'est pas le sujet ici de cette vidéo. Et puis en expérimental, on a un retour sur une image. C'est un outil de retour sur image. Un mode de consommation réduite que j'ai activé. Quand on est dans le menu principal, on n'a pas derrière le hangar qui bouge. Et vous verrez que vous gagnez facile 100 watts sur votre carte graphique. Et c'est des économies, surtout si vous êtes dans le menu et que vous restez en train de préparer votre plan de vol pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Eh bien, vous consommez beaucoup moins, votre ordinateur consomme beaucoup moins de ressources et vous faites des économies d'énergie. Et ça ne fait que ça. C'est pas parce que vous activez ça que vous allez avoir des pertes de FPS. Pas du tout, c'est vraiment dans le menu. Et effectivement, ça sert à rien d'avoir le hangar animé en arrière-plan. On voit rien de toute façon. NanoVG pour les jauges XML, je l'ai activé, ça m'a beaucoup aidé pour le PMDG. DC6. Voilà, je trouve ça plutôt bien. Et je n'utilise pas l'outil de réorganisation des packs. Voilà, on va maintenant ici passer aux options de commande. Hop. Voilà, les options de commande. Déjà, première chose, vous avez plusieurs contrôleurs. Moi, j'en ai 4 en gros, 5 avec le palonnier. J'ai un yoke, un stick. Et ensuite, deux manettes des gaz, un Onecom Bravo et un Thrustmaster. Donc quelque chose plus pour le liner, quelque chose plus pour ensuite des chasseurs ou des hélicos. Voilà. Vous avez par défaut une configuration. Par exemple, mon rudder Pendular Thrustmaster, il a par défaut T Pendular Rudder Profil. Si je veux travailler sur l'affectation de touches sur un liner ou autre, je vais cliquer dessus. Et je vais ouvrir le gestionnaire de pré-réglage. Et je vais ici commencer par dupliquer. Je ne travaille pas sur la source. Je duplique et je l'appelle test. Voilà, test tout simplement. Ou le nom d'un avion pour lequel je veux le paramétrer. Et là, ce test, je peux dedans y affecter des commandes, des freins, etc. etc. Voilà. Pas grand-chose à dire. Je ne vais pas vous montrer. Alors, on peut rouvrir le truc de pré-réglage et on peut supprimer test. Hein. Voilà, hop. Et on revient par défaut. Voilà. Juste une petite chose par rapport à l'hélico sur mon stick. Au niveau des gouvernes, on a les gouvernes primaires et on voit que c'est... D'ailleurs, on va mettre même toutes les entrées. Hop, on va mettre tous. Développer, réduire. Voilà. Et dans instruments et systèmes, dans hop, gouverne de vol, pardon, gouverne primaire, on va voir quels sont les axes. On a du cyclique, du collectif, aileron droit, aileron gauche, aileron central, axe de gouverne de direction. Donc la profondeur, bon bah c'est le tangage. Les ailerons, ben c'est le roulis. Et vous avez ensuite la gouverne de direction pour le lacet. Donc vous affectez pour un avion ces touches-là. Et vous avez des problèmes avec les hélicos. Vous êtes sur des axes qui ne concernent pas les hélicos. Axe des ailerons, T
c'était pas l'axe du roulis d'un hélicoptère. L'axe du roulis d'un hélicoptère, c'est l'axe longitudinal du cyclique ou transversal du cyclique. Donc la transversale du cyclique, pour la, ce qui correspond au roulis, en fait, donc les ailerons de l'avion, et le longitudinal, c'est ce qui correspond au tangage de l'avion. Voilà. Et puis bien sûr, on a aussi accès à la gouverne de direction via, donc pour le lacet, donc le rotor de queue, mais là, il est, moi, affecté sur, bien sûr, mon palonnier. Voilà. Et sur mon palonnier, on peut aller le voir. Hop, on va aller le voir. Donc, tac, 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 le pendular rudder. Il est où? Hop. Essentiel. On va développer, réduire. Donc, on est toujours dans les gouvernes de vol, les gouvernes primaires. Et forcément, il n'apparaît pas. C'est normal. Compensation, on reviendra après. Bon, bref, vous avez compris le truc. On va pas s'éterniser dessus. On va voir aussi la sensibilité des commandes juste après qui se trouve ici. Vous verrez de quoi je parle. Et puis, pour la partie compensateur, ben en fait, c'est un peu pareil. Si vous voyez des compensateurs de gouverne, on a des compensateurs de direction. D'accord ? Profondeur et aileron. Donc, quand on règle les trims, mais vous avez, il y en a qui disent ouais, sur mon hélico, les trims ne marchent pas. Pensez bien à aller sur les compensateurs longitudinal ou latéral du rotor. Tout dépend de ce qui est dans la doc de l'hélicoptère. Il y a certains hélicoptères qui vont utiliser des trims classiques. Voilà, donc moi je vous conseille de faire, hop, ici, vous voyez, ici, moi je suis en hélico, en mode hélico. J'ai augmenté le compensateur avec une touche. Hein. J'ai augmenté le compensateur longitudinal du rotor. Voilà. Ou latéral. Voilà. Latéral, longitudinal. Donc trim plus, trim moins. Réduire, augmenter. Voilà, tout simplement. Parce que avec le mode par défaut de compensateur d'aileron, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, et les sensibilités, ben parlons-en des sensibilités. Allez, on va dessus, ça c'est super important, hein. Vous avez vu où j'ai cliqué, en haut à gauche, pour chaque, non pas chaque profil, mais chaque commande de vol, on va pouvoir régler les sensibilités. Et si je prends, par exemple, je vais prendre plutôt le yoke. On va prendre le Bravo, hop, TCA, yoke Boeing. Je vais me mettre en mode TCA Boeing, voilà. Et on va prendre la sensibilité. Voilà, là, j'ai pas mal de... Alors, n'oubliez pas que des fois, il y a un deuxième onglet hein, derrière. Faut pas hésiter à descendre l'ascenseur. On dit, mais non, mais j'ai d'autres axes. Ils sont où? Pourquoi ils sont pas là? C'est vrai que ça se finit tellement bien qu'on voit pas qu'il y a un ascenseur ici. Hein. Donc, voilà. Là, vous voyez, je suis en normal, en fait, au niveau des commandes de vol. Là, tout est à zéro. Et derrière, on peut... on va repasser ici par défaut. J'ai le standalone. Voilà. Et là, j'ai changé des petites affectations. Donc, la sensibilité est via un profil. Je vous ai dit par un périphérique. Attention, j'ai dit une bêtise. C'est bien via un profil. Si je change ici, je passe en mode joystick. La sensibilité, vous voyez qu'elle est ici différente. Voilà. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un petit chapeau. Un petit chapeau qui est en mode souris, hein, en mode. Qui n'est pas en on-off et qui permet de faire les vues extérieures. Et le fait de faire cette courbe de sensibilité, ça me permet de faire des zooms ou des dézooms ou des rotations très progressives. Parce qu'on voit qu'au début, sur les petites actions de mon chapeau, j'ai une très faible déviation. Voilà. Les axes, plutôt. Moi, j'ai tout mis à zéro. Réactivité, mettez une réactivité faible. Vous verrez, c'est plus sympa en sensation. Et concernant la zone morte, j'ai mis 2%. 2%, c'est pour moi, voilà, c'est correct. Voilà, de toute façon, dès qu'on bouge un peu, voilà, c'est pour éviter que ce soit 0%, vous risquez d'avoir... La plupart des commandes de vol qu'on achète sur le commerce, elles ont pas elles ont un petit jeu, de pas grand-chose, mais elles ont un tout petit jeu, c'est obligatoire. À moins d'avoir quelque chose de professionnel. Voilà, donc là, en l'occurrence, on voit qu'ici...
Moi, j'ai un tout petit jeu, mais ce petit jeu-là, je suis en train de le toucher là, mais très faible, hein, d'un millimètre. Et ben, ça n'affecte pas mes commandes. Voilà, même chose pour la partie latérale. Donc 2%, c'est bien. Et si vous avez des contrôleurs qui sont fatigués, vous pouvez bien sûr augmenter cette zone morte. Et puis pour le reste, bon, reste au neutre. Voilà, il y en a qui vous demandent d'appliquer certains profils, à vous de voir. Il faut créer à chaque fois un profil par avion, c'est trop. Moi, j'ai créé des profils pour les biracteurs, pour l'ornithoptère, pour le piston, hélico, voilà. Voilà. Donc la sensibilité, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, bah, ça, c'est plus des potentiomètres, hein, qui sont utiles pour autre chose. On revient ici. Allez, on est bon. Option générale, on était bien sur la partie expérimentale, la partie commande de vol, option de commande, on a vu. Je pense qu'on a à peu près tout vu sur les commandes de vol. Bien sûr, les hélicos, mef, mef, mef. Si vous avez un trackier, etc., bien sûr, vous le voyez, il est ici. Et puis voilà. Je pense qu'on a vu l'ensemble des commandes. Donc petite particularité sur le mode historique ici, hein, pour les commandes d'un Airbus qui vous permet d'avoir les plusieurs options de commandes. Il y en a beaucoup qui se sont heurtés à cette problématique en disant mais je comprends pas, vous me dites de me passer vers le haut ou vers le bas, mais moi je peux pas. Et ça ne tient qu'à un paramètre dans vos options. Voilà. Et puis le graphisme. Mettez du low, medium. Medium sur une basse config, ça passe. High sur une bonne config, mais pas super péchu. Moi, je suis en ultra. Ma config n'est pas non plus hyper, hyper péchu, mais en ultra, ça passe franchement bien. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de ne pas trifouiller partout et vous laisser en ultra. Et si vraiment vous voulez gagner du FPS, vous avez des ralentissements, vous êtes sur un gros aéroport, vous diminuez le load. Faites attention au trafic, pas trop de trafic. Et avec le load, donc la distance visualisée, bah, vous la passez non plus à 200, mais à 150 ou à 100 ou à 50. Hein. Le tout, c'est d'avoir de la fluidité dans l'appareil. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet anniversaire, pour ces 1 an de cette chaîne. Voilà, ce petit tuto. J'ai pas tout couvert, on pourrait rester des heures à discuter de différentes options, mais en tout cas, c'est un premier jet et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes ou si vous avez des questions supplémentaires sur ce que je viens d'expliquer. Dans ces cas-là, ça pourra faire l'objet d'un autre tuto sur quelque chose de plus précis si c'est vraiment complexe ou si c'est des choses toutes simples, je pourrais bien sûr y répondre comme à l'habitude. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Merci à tous pour votre soutien, pour toute cette année, pour vos dons aussi généreux. Voilà, ça y est, je parle trop, il est temps que j'arrête la vidéo. Pour vos dons très généreux, que ce soit par Buy Me a Coffee, que ce soit directement via YouTube. Merci encore pour votre soutien, ça permet d'acheter ces avions pour vous les montrer, bon, faire des tutos et pour découvrir ensemble. Ce monde merveilleux qu'est MSFS. Merci à vous, à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, bye.